Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, auditrices, super branchés, amis le son, l'école sabbat, nous comptons avec vous matin, comptons pour saluer vous dans nos sauveurs, Jésus-Christ, comptons dans la caille aussi pour porter pour vous parole qui bat la vie, parole qui bon pour l'homme qui soif la parole. Nom qui soit Jésus et qui connaisse Jésus et Jésus seul qui est capable de changer l'homme, restaurer le, mettre le niveau qu'il doit y être pour préparer le pour ciel avec grâce que Jésus fait nos bien-aimés frères et sœurs. Amis moi, c'est le son de l'école sabbat de la caillou pour matin, matin, jeudi 5 mai 2022, et nous dit papa, bonjour, merci parce qu'il permet nous la matin pour nous parler de l'évangile. Pendant toute semaine, ça, frères et sœurs, bien-aimés, nous avons étudié les sources là, racines Abraham, verset pour nous qui viennent en tête nous pendant toute semaine, ça, que nous joignons, amis, moi, non. Hébreux, chapitre 11, verset 8, mais ça le dit. C'est parce que Abraham a eu confiance dans bon Dieu qui fait obéir. Les bon Dieu t'es relé là. Il est parti pour pays bon Dieu t'a pris le balai pour portion héritage palé. Il l'a fait. Il quitte pays là sans pas qu'on qui boit il t'a bralé. Et nous bénissons bon Dieu sous portion les tissa. En garder ensemble frères et sœurs parti. Leçon Joutia. Dim Mel Sénèque. Avant de développer partie ça pour vous, on a le Jésus. Lui-même qui a fait nous comprendre parole. Selon volonté. Papa, dans la grâce infinie, on a volonté. Nous vous merci pour grâce. Merci pour l'amour pour puissance. Nous devons matin. Nous finissons réveillés en bas de sommeil. Et nous mettons vivants, dénouer bien calé pour nous parler l'évangile. Que l'esprit repose sous peuple, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Papa, Zamin Rio, auditeur auditrice, dis merci, Zedek. Et le personnage s'est retourné encore. Dans tes Weloui, dans tes espaces, il est retourné dans le son 6 là. Non, pas jeudi. Les non lits, frères et sœurs, dans le livre Genèse là, chapitre là, c'est 14, verset yo, c'est verset 18, rivé verset 24, nous allons parler l'évangile. Merci Sédèque, même qui était roi pays Salem, t'es pour tes pains à divin. C'est un prêtre qui t'a servi bon Dieu en haut de ciel là. Il bénit Abraham, il dit c'est vous bon Dieu qui est en haut de ciel là. Lui-même qui fait ciel à terre, bénit Abraham. Louange pour bon Dieu qui est en haut de ciel là. C'est lui-même qui te lague l'ennemi ou yo. Non, mais on. Après ça, Abraham bali dixième. Yon dixième dans tout ça, il te gagne, il te prend. Les fini, roi, Sodome là, dit Abraham. On met gardé tout bien yo pour vous. Mais, ba moi, moun yo seulement.
Abraham répond au roi Sodome là, il dit moi fais serment devant Seigneur là. Bon Dieu qui est au ciel là, lui-même qui vient ciel là à terre. Moi pas prend rien dans ça qui pour vous. Il te met yon petit mot sur fil. Yon code sapat comme ça. Ou pas Jean qui a dit c'est ou même qui fait Abraham riche pour nous finir frères et sœurs. Moi pas besoin rien peut-être pas mais m'a accepté sa moun moi yo te manger ensemble à portion qui pour moun qui te marché avec mio. Oui c'est pour année école ak mamre prend ça qui vient pour yo. Bien-aimés frères et sœurs, matin nous va parler de dîme Melchisédek te poté bay dîme Abraham, excusez, te poté bay Melchisédek. Pour qui raison? Pas oublier dans le son hier là qui te parlait de coalition, deux coalitions qui met ensemble pour font poté mourir. Pour qui ça? Pour ta goumé, pour ta canaran, que l'Éternel te baye Abraham. Et pendant goumé, frères et sœurs, goumé a duré qui est pas 12 à 13 ans. Mais Abraham dit qu'il était frais. Mais Abraham prend nouvelle, vient prend nouvelle, il y a un neveu, il l'offre, il y a Abner, nous saluté en bas main. On parti dans la coalition, ça tape goumé. Eh bien, Abraham te met pied dehors pour la chercher. Monsieur Chapouli. Abraham te remercie. Par Wakanaran. Yo, te remercie Abraham parce que Abraham te permet yo libérer en bas mes ennemis sa yo ou taboumé avec yo. Yo remercie Abraham. Oui. Mais Abraham aussi. Te remercier par Melchisédek qui te roi pays Salem. Le temps d'Abraham, dans le canton, après la guerre, Abraham gagné la guerre et il déposé pain avec vin pour Abraham en tant que serviteur de l'Éternel. Parce que il te connaît Abraham, c'est serviteur de l'Éternel. Mais qui côté Melchisédek sorti? Non, Véli Père. Que te votre message spécial dans le moment. Guerre, te bayan pile tout le monde. Eh bien, frères et sœurs, les décortiques, non. Ça, non. C'est des qui veut justice. Non, nous, merci, c'est des nous joignent justice. Justice, mon Dieu. Et pourtant, non, oua, Sodome là, qui c'est Béra, qui vient du malais. Non, oua, Gomor là, qui c'est Micha, qui vient du méchanceté. Ça veut dire, frères et sœurs, à travers nos familles, ça, monsieur Sayo, nos familles, monsieur Sayo, nous, yon bagay, que nous ne pouvons pas comprendre. Merci, c'est dès après. Guerre là, wa monsieur, wa canaran yo. Yo vin côté Abraham. Avec Moïse en dans Bible là que nous joignons comme sacrificateur, c'est Melchisédek qui c'est sacrificateur de Dieu dans l'époque là. Genèse 14 verset 18. C'est lui qui est sacrificateur. C'est lui qui méritait offrir offrande pour le peuple là devant Dieu. Genèse 14, verset 18. Abraham lui-même, il était relé, bon Dieu. Bon Dieu t'a choisi Abraham dans la période là. Pour Abraham, tu es capable de jouer une bénédiction que tu as choisi Abraham pour Abraham. Tu es ça, monsieur Abou Mevoulia. Genèse 14, verset 22.
Abraham était clair. L'intérêt sacrificateur là, Melchisedec, qui dévotait vin pour lui avec pain pour le manger, eh bien, Abraham lui-même qui reconnaît en tant que par la foi en Jésus, lui reconnaît dans Melchisedec, c'était un sacrificateur. Bien que c'était un roi pays Salem, même des sacrificateurs aussi, mais sacrificateurs, yo, yo était là pour offrir service, offrande à Dieu pour le peuple. Abraham t'est porté offrande lui. Bye, Melchisedec. Bien que il n'y pas sorti dans la race, Melchisedec, pas sorti dans la race Mounsayo que l'Éternel a choisi. Après le peuple, après le peuple qui choisit fin existait. Après sorti peuple là dans le pays Égypte, l'Éternel dit à Moïse, c'est race, c'est Moun qui sorti dans Aaron. C'est race Mounsayo qui a fait service pour moi. Mais Melchisedec est dans l'avant. Il était à l'avant. Elle c'était représentant Jésus-Christ. Hein? Représentant mon Dieu sous la terre. C'est-à-dire, les sacrificateurs, c'était représentant de Dieu. Parce que c'est eux qui ont fait service pour le peuple-là, pour offrir le peuple-là devant l'Éternel, pour un pardon. Eh bien, en reconnaissance, frères et sœurs bien-aimés, de victoire, ça. Ou à Salem, l'homme qui s'est les vignes pour célébrer la victoire là et la paix aussi. Parce que vini Abraham, gagné Abraham bataille là, il met la paix dans son nom, dans canton 1. Mais qui c'est d'être célébré victoire d'Abraham. Et Abraham, il m'en reconnaissance de victoire que mon Dieu bali. Puisque Melchisedec est représentant de Dieu, il peut offrir en offrande de reconnaissance, de remerciement, de gratitude envers Dieu, même pour tel bail, Melchisedec. Bible a dit, pas de monde connaît racine, Melchisedec. Il va avoir ni papa, ni maman, ni papa. Il va avoir un commencement, il va avoir une fin. Seulement, Jean Bible a dit, nous avons des soeurs, nous avons comme ça. Seulement, Melchisedec, t'es venu, t'es paré tête li dans son nom, en tant que yon roi qui prodigue, qui baille, qui a parlé de paix. Et Abraham est venu, après la guerre là, il mettait la paix, la guerre a fini tout. Parce que Abraham lui-même, il n'a pas besoin de rien dans la guerre. C'est pas goumé, là, goumé pour dire que la guerre est bien. Et c'est le problème, c'est que le roi de Sodome, t'es gagné. Pensez que Abraham t'a pris richesse, etc. Non, ça ne veut pas t'intéresser, Abraham. Bon, c'était un grand nègre qui était déjà dans son nom. Ça ne veut pas t'intéresser, lui. Mais sache que t'es intéressé en tant qu'homme de Dieu, c'est mon saillot qui est pour lui. L'eau, Abner, école, etc. C'est ça que tu as voulu. Et c'est ça que quelqu'un t'a dit avec le roi de Sodome. Ça va intéresser. Ma confile, mais mon lacet pour t'enlacer. Ma on tennis ou un soulier, etc. Ça que tu as gagné dans un moment. Pas besoin yo. Mais ça que tu as pour moi, yo, c'est yo prend et puis à travers. Ça, Abraham prend. Après l'intervention d'Abraham dans la guerre là, eh bien, il te mette la paix. Oui. Jean que le soin montré là, verset 14 l'a dit, chapitre 14, verset 19 l'a dit, il dit, il bénit Abraham. Qui est-ce qui bénit? Melchisedec. Qui est-ce qui a béni? C'est Sidla qui créait ciel la terre. Mais qui est-ce qui plaçait Abraham en tant que qui plaçait Melchisedec, c'est là qui plaçait Melchisedec là. Eh bien, il a aussi béni aussi. Melchisedec béni Abraham de tout ça que Abraham t'a porté après pour finir pour des dîmes à couvrir en reconnaissance que bon Dieu crée ciel à terre. C'est lui-même qui mettait Melchisedec en tant que sacrificateur. Eh bien, il est capable béni dans nos Sila. Qui place-il en tant que créateur. Hébreux 7, verset 2, 600. Genèse 28, verset 22, frères et sœurs, montrer avec la foi que Abraham gagne dans mon Dieu, foi ça permet l'ibaï, dim-là, avec Sila qui représente créateur, excusez. Oui, parce qu'Abraham vient adorateur,
ils sont adorateurs de Dieu. Si là, Dieu placé pour représenter la période là, mais Abraham, il va lui dire à offrande en reconnaissance de ça, Dieu fait pour lui. C'est-à-dire, il fait un don à Dieu pour de tout ça qu'il gagnait. Parce que lui, c'est serviteur de Dieu. Pour qu'il s'a dit, mon frère et soeur, il était dit que Abraham a la foi dans mon Dieu. Oui, il a la foi dans mon Dieu. Il croit que c'est Dieu qui t'a placé Abraham, qui t'a placé Melchizedek. Que paix, grâce, bon Dieu, repose sur vous, permettre que chaque fois que Dieu fait pour vous, en reconnaissance, vous va mandir, vous va rendre une offre de gratitude avec Dieu, selon la volonté de mon Dieu. Merci, paix, grâce, bon Dieu, sur vous. Amen.